Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une aventure sur un jeu qui s'appelle Circus of Team Team. Apparemment, c'est court. J'espère que ça sera sympa. J'espère que ça sera court mais intense. D'après le tutoriel, on a réussi à du coup à décrypter ce tutoriel fantastique. Je suis une bonne sœur qui doit du coup me balader, retrouver le détecteur de billets de mon frangin et lui rendre et trouver des tickets d'or ou je sais pas quoi. Ouais, ça a l'air un peu flou comme ça, mais bon, vous comprenez quoi, vous? Parce que moi, j'ai compris ça, mais peut-être que... Il y a des indices, peut-être que... Faut déconner plus que ça, je sais pas, non? Vous êtes sur le point de... Ok, ouais, ouais, vas-y, let's go. Je crois que je vais remettre en anglais, parce que là, c'est pas possible. Kitsune, comment tu vas? Ça roule? Salut, Anatua! Appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer. Nous sommes partis dans... Le circuit, j'ai l'impression d'avoir appuyé sur trop de touches Jerry, en même temps. Come in, Jerry. Les sous-titres, s'il vous plaît. I just arrived at the place. Looks empty, I guess. Est-ce qu'il y a un traducteur dans la salle? What are you looking for again? Over. It's my metal ticket detector. Ok. Oh, j'ai pas besoin de mettre le clavier en anglais, incroyable. Alors là, franchement, bravo les devs. À défaut d'avoir une traduction éclatée au sol, au moins on n'a pas besoin de mettre le clavier en anglais, c'est cool. Yeah, whatever. Wait. Je peux sauter. Je peux m'accroupir. Isn't this place haunted? At least par contre, quand je m'accroupis, il se passe des choses bizarres. Hein. Vous avez remarqué, regardez. Comme l'impression qu'il y a, je sais pas, je matérialise des choses autour de moi, c'est... c'est flippant. Bon, je suis dans un enclos. Libérez-moi, s'il vous plaît. Ah bah voilà, nickel. Tu vois, il suffisait de crier, putain. C'est... ça détecte ta voix. Ah mais t'as raison, faut peut-être que je mette les sous-titres. Non. Général, putain mais y'a moitié... ah il manque la moitié des trucs. Merde. Les sous-titres s'il vous plaît. Volume du jeu, effet, caméra... Inverser l'aspect, non. Graphisme. Attends. Attends, si je retourne au menu et que je vais dans les paramètres, tu penses que je peux activer les sous-titres? Non. À ce stade, tu t'accroupis, tu fais carrément des squats. Ouais. Paramètres. Graphique. Volume du jeu. Sensibilité. Les sous-titres, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de sous-titres. Vous les voyez? Il y a une option pour avoir des sous-titres. Je crois qu'il n'y en a pas. Synchronisation. Non. Il n'y a pas d'option pour avoir des sous-titres. Fallait payer 2€ de plus, peut-être, non? Je sais pas. Fallait prendre le pack spécial. Il traduit juste le menu. Non! Non! Bon, 7€ le jeu. Ils auraient pu faire une version premium, tu sais, à 9€ avec les sous-titres en plus. Ça aurait été bien. Ça aurait été cool. Ouais. Terrible. C'est quoi les sous-titres? J'ai l'impression d'avoir appuyé sur trop de touches en même temps et qu'il y a un bug Windows, tu sais. Quand j'entends ce bruit. C'est pas un bruit de téléphone pour moi. Bon, je me tais. Si vous y pensez encore, il est encore temps de demander un remboursement. C'est ça qui est écrit en sous-titre? Non, mais tu trolls. Merkou, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire depuis tout à l'heure. Open the door. Yeah, open the door, please. Wait. Someone chased you. Isn't this place anglais LV5. At least that's what I heard. J'ai besoin de toi jusqu'à la fin du jeu, s'il te plaît. Ne t'en vas pas. You are bigger than me and you can handle it. I dropped it somewhere there. Just retrieve it and get out. It will be quick and easy. Putain, on n'a pas de sous-titres et en plus les personnages ils parlent mais ils... Mais ils parlent pas fort. Whatever. I'll get your stupid device back to you. Mais c'est terrible. Over. Genre en fait j'entends plus le vent et le couinement du coup du portail qui s'ouvre. Ça fait mal aux oreilles, mais j'entends pas la voix des personnages, au secours. Bon, je parle beaucoup aussi, c'est peut-être pour ça, mais... Trouver le détecteur de métaux. Appuyez sur tab. Inventaire, trouver le détecteur de métaux, ok. Attends, à chaque fois que je saute, je fais un petit bruit. Non. Sérieusement? Non, c'est sérieux là? Non mais... Non, c'est pas possible. Oh, JPP, c'est pas possible. Oh my god!
Oh, le pavé! Le Cirque Team était autrefois la destination appréciée des enfants. Et aujourd'hui confronté à une énigme qui fait froid dans le dos. Plusieurs travailleurs humains ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Le Cirque Tim Tim doit son nom à l'une des marionnettes grandeur nature les plus célèbres, Baby Tim Tim. Le cirque est réputé pour ses spectacles de marionnettes captivantes et ses artistes de marionnettes grandeur nature. Il y a quelques années, des prestations ont éclaté à l'extérieur du cirque, à la suite d'allégations de mauvais traitements infligés aux marionnettes utilisées dans les spectacles. Certains manifestants affirment que les marionnettes sont des êtres sensibles dotés de véritables sentiments, soumis à la cruauté, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit simplement d'effets pratiques. Godnatsu, merci pour l'abonnement, mon plaît. Merci beaucoup. Le cirque est aujourd'hui confronté à la disparition inexpliquée de son personnel et a été fermé. Des témoins vivant à proximité affirment avoir entendu des cris émanant à l'intérieur du cirque, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée. En pleine controverse sur les allégations de mauvais traitement infligés aux marionnettes grandeur nature, on se demande si leur soudaine rébellion contre la captivité n'est pas liée à la disparition du personnel. Quelles que soient les vraies raisons, nous savons tous une chose. Ces marionnettes, autrefois enfermées dans leur cage, pour notre plaisir, semblent aujourd'hui nourrir un désir de liberté. Le cirque, autrefois symbole de joie, est désormais silencieux. Tandis que le mystère de l'exode des marionnettes s'épaissit. Si vous avez des informations sur ce mystère, merci de nous contacter au 728-001 de votre station locale. Tournez, comment ça? Ah, y'a autre chose derrière? Non? Eh, mais quel intérêt de tourner du coup? C'est exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui parle? C'est toi qui parles? Pourquoi tu prends une voix comme ça? Il fait peur. Pour me faire flipper qu'il fait ça, vous pensez? Pourtant sur le papier... Pourtant le papier n'était pas si... C'était pas si grand l'écrit. C'est très profond comme scénario. C'est pas du tout inspiré de FNAF! Non non, pas du tout! C'est quoi FNAF d'ailleurs, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Salut Fauchard! Salut Poulet, ça va? Tu devrais relire pour être sûr que c'est la même chose. Matt, tu penses que c'est pas la même chose? Ah putain! Ok, Ratlist, il me faut 12 tickets pour pouvoir sortir, c'est ça? Ah ouais, tu te mets bien toi, putain! 12 tickets d'or! Non mais 12 tickets d'or! Ah ouais! Putain, c'est cher! Bon, et le détecteur, il est où d'ailleurs? Tu sais pas où est-ce qu'il est? Si vous marchez sur des canards en caoutchouc, vous ferez du bruit. Et l'ennemi connaîtra votre position. Il faut que j'arrête. Arrête, Varg. Oh, salut les gars, ça va? Ah, c'est... Et franchement, j'aime bien l'ambiance. Et les graphismes aussi. Là, il faudrait... Imagine, t'as une petite... Imagine, là, t'as une peluche qui bouge. Ah, dommage qu'on puisse pas interagir avec ça. Ça serait cool, en vrai. Vous pouvez lancer des balles et d'autres jouets pour faire du bruit et distraire les ennemis. Ok. Je peux tourner la balle. Super. Sans intérêt. Mais ok. Ça roule. Merci Kata. Vous ferez du bruit et l'ennemi connaîtra votre position. Merci Kata. Ah, les jeux avec détecteur avec le détecteur là sur le micro, c'est horrible. Je peux pas les faire hein, je parle trop. Le Metal Ticket Detector est un appareil personnalisé qui permet de trouver les billets du cirque. Ouais,
Le billet d'or peut être utilisé pour échanger le prix, blablabla, ou ouvrir les portes. Ça marche, ok. Trouvez 5 billets d'or pour ouvrir la porte. Je fais comment pour utiliser ton truc là? Est-ce que j'avais vraiment besoin de cet appareil? Putain, mais c'est que ça en fait du bruit, cette connerie! La vache! Encore un pavé? Ah, c'est la même chose, c'est bon, tout va bien. Je me suis dit, oh putain, encore un pavé! Merde! Mais non, tout va bien. Vous ici? Encore lui? Non, mais est-ce que t'as... J'ai pas besoin de ça, en vrai, j'ai juste à ouvrir les yeux. Regarde. 3 tickets. Ah, ce bruit quand je saute, au secours. Ah non, c'est trop! Putain! Ah non! J'ai réussi à trouver 3 tickets. Il va falloir que je fasse comment marcher, c'est ça? Je vais devoir marchander avec... Ok, 4e ticket ramassé. Je vous en supplie, stoppez ce bruit! J'en peux plus! Même mon réveil à côté est agréable! Ce bruit quand tu sautes? Désolé. Attends, putain de merde! Non! Ah! Et cours, putain! Ah, j'ai plus de sam! Ah bah, le bébé, il est en train de me manger. Je me suis fait attraper. Et tu vois, le jeu il dure une demi-heure, mais moi je vais te le rentabiliser à mon avis. Je vais passer 3 ou 4 heures dessus facile. Vu mon skill légendaire. Non, je pense que. Oh, le... Putain, les sons. Putain, les devs, franchement. Au secours, t'as des sons qui sont forts. D'autres qui sont pas forts. Dès que t'as le perso qui parle, tu entends pas. Et derrière, après, dès que t'as une explosion, tu perds un tympan. Allez, l'équilibrage du son, quoi, sans déconner. Ouais, bon, on va faire comme dans des BD, je vais faire Dwight Simulator, let's go. Kaboom! Oh la vache, le son, putain! Le casier de l'invulnérabilité. Ça va être ça à tous les coups, non? Je me suis dit, il est derrière moi, il est à quelques mètres de moi, il va me voir entrer dans le casier. Quel intérêt de se cacher dedans? Il sait que je suis là. Mais non. C'est vrai que dans les jeux d'horreur récemment, tu peux te cacher devant le tueur dans le casier. Il s'en fout. Ouais. Attends. Bon. Ah mais tu campes en plus. Oh putain, c'est terrible. Même quand je joue pas à DVD, en vrai, le jeu il me suit, hein, même dans d'autres jeux. Hein. Allez, va-t'en! Nickel. Bon, des tickets! Mais genre, tu m'as vu! Mais c'est pas vrai! Bien l'enfant en plus. Ah! Mais en plus, il bait!
ça marche pas. Oh l'enfoiré. Donnez-moi une palette s'il vous plaît. Regarde. Il est pas con hein. Oh là là. Ah ouais, on en est là, on joue vraiment à chat perché quoi. Donc le casier c'est... Le casier, je suis invulnérable, et du coup si je monte sur une hauteur, c'est pareil, je suis invulnérable. C'est genre là, tu vois, il veut me bouffer, et là en fait, non, chat perché. À l'aide. Oh merde, putain. Je pensais pas rejouer à un jeu comme ça, tu vois, à mon âge, pour le coup. Ah, on a dit chat perché, putain. Non, mais franchement, merde, il respecte pas les règles. Non, c'est terrible. Il fait peur. Bah Ouais, c'est vrai qu'il a un petit truc quand même, j'avoue. Bon, visiblement, je suis plus en chase. Et comment ça c'est qu'il fasse pas de bruit quand il marche sur les poussins, lui? Pourtant, il... Pourtant, quand même, bon, notre ami fait son poids, quoi. Il devrait normalement faire un bruit en marchant sur les poussins. C'est un peu dégueulasse que lui n'en fasse pas. Ah! Super. Petite tronçonneuse, ok. Je peux la récupérer, tronçonneuse, s'il vous plaît? Ou je peux avoir des soins ou un truc dans le genre? Non? Bon, visiblement, ici, c'est tranquille, y a pas grand-chose. Oh, de la dynamite. Je vais tout faire péter. Tu penses que je peux envoyer ça dans la bouche du bébé? Histoire de le faire exploser? Opération Sneakies. Mais je pense que de toute manière, ici, à mon avis, il peut pas me poursuivre. Ça va être le même document que tout à l'heure? Ah non, c'est autre chose. La face cachée du cirque Tim Tim. L'exploitation des marionnettes humaines. Le cirque Tim Tim a été le théâtre d'une révélation troublante. Des rumeurs circulent sur la découverte de véritables êtres humains ressemblant étrangement à des marionnettes. Les spéculations suggèrent que ces individus, qui vivaient autrefois librement, ont été enlevés de force de leur foyer et sont maintenant emprisonnés dans le cirque, soumis à des conditions difficiles et exploités à des fins de divertissement. Bien que ces allégations aient suscité l'indignation et l'inquiétude du public, le personnel et le directeur général du cirque les réfutent. Avec véhémence. Il affirme que ces soi-disant marionnettes humaines ne sont que des effets pratiques habiles, dépourvus de toute autonomie ou d'émotion. Malgré les assurances de la direction du cirque, des doutes persistent quant à la véritable nature de la situation des artistes. Alors que la controverse s'intensifie, les enquêtes sur la véracité de ces affirmations se poursuivent. Laissant le public... aux prises. Attends. Laissant le public aux prises avec l'incertitude et le malaise entourant l'éthique du Tim Tim Circus. Je me sens un peu observé bizarrement, mais bon, ça va. Je le vis bien. Salut Lingu! Mais ouais, ça va et toi? Comment tu vas? Lingfu! La journée démarre pas trop mal en vrai. Je dois récupérer des tickets visiblement. Je sais pas depuis combien de temps je suis sur le jeu. Je me prends tous les screamers dans la tronche. Putain de merde. Je vois les petites étoiles autour de moi. Ça va aller, ça va bien se passer. Oh la vache. Ok. Ça va aller. Oh oui, j'ai trouvé un ticket. Oh my god, ramassez un kit de soins. Utilise-le, vite!
Oh, les chiottes, ça va mieux. Non, par contre, je t'en supplie, enlève-moi l'effet horrible qu'il y a autour. Ouais, merci. Oh, merci, merci. Salut, Sushi God. Bienvenue sur le live. Bienvenue à toi. Coucou, Azé, comment tu vas? Ça roule ou quoi? Salut, ça raccroche. Salut, Elwer, comment il va? Salut, Locleman. Qui de soin ici? Je peux l'ouvrir ou pas le coffre? Non, je peux pas. Ah! Mais putain, mais tu vas me foutre la paix! Mais c'est pas possible! Non mais il lâche pas l'affaire, c'est un délire! Oh merde! Non! Merde! Salut Mythica! Salut Koravitli! C'est bon, il est parti. Il est où le marteau? On peut pas jouer au jeu? Oh, c'est naze, c'est tentant! Je sais que je me serais mis dans la merde, mais j'avais envie de jouer au jeu. C'est quoi ça? C'est un vieil homme? Ah, le pauvre. Oh, c'est pas une vie, quoi. Merde! Un vieil homme avec des gants de boxe. Salut! J'ai que 2 tickets! Il m'en faut 12! Ah putain, t'abuses. Non, mais franchement, t'abuses. Je suis coincé, les amis. C'était un singe, ça. Comment ça, c'était un singe? C'était pas un vieux? Je sais pas, je vois un bébé, je vois un vieux. C'était un ancien? Regarde! Ça, c'est une vieille dame? Enfin, je crois. Bizarre, on dirait qu'elle est prête à se mettre à table. Y'a pas de ticket? Un ticket, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être un contrôleur, tu sais. Des tickets! Donnez-moi des tickets! Il m'en manque 10. Ah, j'aurais aimé faire des autotomponeuses. C'est frustrant. Qu'est-ce qu'on a là, du coup? La face cachée du cirque Tim Tim, l'exploitation de marionnettes humaines. On l'a déjà vu, ça. Le jeu radote. Oh, mais d'où? Ah, mais comment il sait que je suis là? Il y a des moments où je peux pas m'accroupir, tu sais. Je suis pas là. Non, parce que là, littéralement, c'est la seule sortie, hein. Donc, si jamais il campe cette zone, moi, je suis foutu. C'est fini. C'est la fin de la partie. Des ennemis entendent les canards, mais le bip bip du machin, ils entendent pas. Ouais. Bah, je crois qu'ils peuvent l'entendre si je suis trop près d'eux. Faut pas que je sois trop près d'eux, tu vois. Ah! Mais putain! Mais tu m'emmerdes, toi! Fais chier! Mais j'y peux pas! Mais merde! Mais ça marche à chaque fois! Ah, y'a un ticket. Merci. Oh, je croyais sur DVD, je te jure. Avec ce petit générateur là. Je me fais toujours autant avoir. Ah mais moi c'est pareil, hein. Ah là c'est terrible, hein.
m'a pas eu là. Enfin, presque pas. Presque pas. Ah. Ah. Tu peux pas rentrer dans la cage! Oh putain, je suis rentré! Oh, il m'a démonté! Oh le bâtard, il m'a démonté! Oh! Fais chier, c'est de la merde! Je veux tout recommencer, non! Maintenant, je vais en speedrun, hein. Ah ouais, les tickets changent de place. Logique. Logique, logique. Derrière le cheval, tu me vois pas. Bon, nickel. Allez. Vas-y. Putain. J'en peux plus. Concentre-toi avant deux secondes. Bon, il y en a un ici. Mais putain! Mais c'est pas vrai! Mais j'en ai ras le cul! Mais va, quand tu sors d'un truc, y'a un monstre! Voilà! C'est bon! Mais merde! Mais j'y peux plus! Non mais c'est terrible! Merde! Salut Galou, ça va ou quoi? Putain, mais c'est terrible! T'as la concentration d'un homme, quoi, merde! Dans la cage. Voilà, bim! Allez, kit de soin, bim! On peut pas ouvrir cette porte. Tant pis! C'est pas grave. Adieu. Oh merde, fais chier, non. Non. Pour trouver des billets d'or. Death. Je m'en vais. Non, pas les poussins. Encore des canards? Non, laissez-moi tranquille. Oh là 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 là, ça sent pas bon ça non plus. Ah, c'est bon, j'ai presque pas eu peur. Je suis presque un grand garçon. J'ai presque pas eu peur, mon dieu. Non. Ouais, je sais les gars. Je vous connais. Hello. Ça y est, c'est bon. Thank you.
Salut Toby. Ouais, ça va et toi, ça roule? Nous voulons être libres. Nous avons aussi des sentiments. Quand je vois la gueule du bébé là qui me poursuit, je suis pas sûr qu'il y ait des sentiments. À mon avis, la seule chose qu'il a, c'est la dalle, c'est tout. C'est la seule chose qu'il doit ressentir, à mon avis. La faim. J'ai envie de me becquer l'enfoiré. Il est juste là. Finalement, Varg, les 7 euros étaient bien investis. Pour les viewers, je trouve. Hein. Putain. Va lui faire un câlin. Viens lui faire un câlin XD. Ah, il me fait peur, Kata, je peux pas. Merci, Kata. Merci beaucoup. Je peux pas, il me fait peur. C'est pas possible. Oh merde, tu déconnes. Non. Il m'a vu. Arrête, je t'ai caché. Non, il cheat. Magique. Le bébé streamac, ouais. J'ai que 6 tickets, arrête, c'est pas possible. J'ai que 6 tickets, mais je vais jamais réussir à terminer ce jeu, moi. Six tickets sur 12. J'espère que tu portes pas un pantalon blanc. Il a changé, Victor. Attends, on va essayer du coup de choper le billet. On a un billet contact. On a un billet à côté là. On a le bébé aussi à côté. Là ici il y a un billet. Là il est là. Cool. Ok, ensuite. Nice, putain, on est à 8! On est à 8! Allez, plus que 4! T'as ce bruit. Est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Non. Rien du tout, mes amis. Le plus chiant, à mon avis, ça va être le dernier ticket à trouver. Je crois que je suis jamais venu par ici. Il est parti? Ah, il les contacte encore. Salut Tim Tim! On est dans ton cirque. Je te jure, on est chez toi. C'est le bordel, hein. Putain, c'est le bordel, poulet. Y'en a un qui fait un petit coma là. C'est pas la grosse forme, on dirait, hein.
Bon, là-dedans, c'est quoi? Ah, on connaît, on est déjà allé, ok? On est proche du but, hein, quand même. Il nous reste plus que 4 tickets, on a fait les 2 tiers. Il m'inspire la confiance, en vrai. Ça a l'air d'être quelqu'un de raisonnable, je pense. Ouvrez la cage! Laissez-le sortir! Vous voyez bien l'innocence dans son regard, non? Regardez! Non? C'est un petit lapin, mais oui, c'est un petit lapin tout mignon! Il y a quelqu'un dans le chiotte. Mon dieu, au secours. Alors, quand j'entends le bébé de loin, ça veut dire qu'il arrive vers moi, je crois. Ah, c'est pas très bon signe quand il y a le bébé. Ticket. Non mais, cette machine, elle sert à rien, quoi, putain. Elle détecte le ticket au moment où je le vois, franchement, mais c'est lamentable. Remboursez-moi, putain. Elle devrait les détecter de plus loin, quand même. Oh, bordel de merde, le bébé, il est là-bas. Là, j'y suis jamais allé. Le train fantôme. Il y a forcément un ticket ici. Et si je récupère un ticket ici, ça sera le 11e, je crois, non? Oh, on y est presque. Ah, putain de merde. J'avais oublié la chaise. Putain. Mais... Comment ça, je peux pas passer? Ah, quand même! Merci! Hey, espèce de salaud, tu m'as bien eu, toi. Tu l'avais vu pourtant. Hein? Allô? Il s'est passé quelque chose, là? Il manque 2 tickets. Bah, je vous le dis, ils vont être durs à trouver ceux-là. Je suis sûr qu'il va me voir à travers le mur, l'enfoiré. Là-dedans, là, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? C'est pas là. Oh non! Mais merde, mais je les vois pas! Putain, je sais pas pourquoi j'ai la musique de Pirates des Caraïbes dans la tête là, tu sais. Le chant des pirates là. Vous avez la ref ou pas? C'est peut-être dans ma tête, hein, je sais pas. Hein. C'est par ici, je pense. Putain, les tickets, ils sont là. C'est parce que la mort arrive, il est devenu fou. Non, c'est pas vrai! Pourquoi vous dites ça? Arrêtez! Ah, est-ce qu'on a déjà fait les autotamponneuses? Ouais, je crois qu'on a déjà fait. Ouais, pas de ticket ici. Putain, il est dur à choper le dernier ticket là, au secours! Enfin, les deux derniers tickets. Mon avis doit être au même endroit, il y a une zone qu'on n'a pas explorée. Dans le doute, je fouille un peu ici, mais bon. Ah, il y a un autre accès pour sortir, non? Non, même pas, Varg, t'es... Y a qu'un seul accès, mon pote. Salut, Sévi.
Il doit y en avoir un corps au centre de la map, je pense. Et un en bordure. Ouais. Pas de ticket. Ah, je te fais toute la bordure et après je te fais l'intérieur. Allez, go. Ouais, il met une 12 tickets, je sais, mais je tente. Ah putain, le salaud, il est là. Et t'as la machine. Accroupis-toi. Il peut pas me voir. Là, s'il me voit vraiment, c'est que... Il a des super pouvoirs. T'es où ? T'es parti ? Non, t'es là ? Ok, tu campes. Ouais, mais c'est ça, mais un parc d'attractions pour DBD en map, ça serait bien. Après, il part du principe, sûrement, tu vois, qu'on a déjà... Crotus. Ah, il manque plus... Putain de merde. Là ! Je vous avais dit que c'était à l'intérieur. Je l'avais call. Ah ! Oh, sa mère ! Oh, l'enfoiré ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais d'où il est là ? C'est terrible! Je passe mon temps à aggro le monstre. C'est pas moi. Pourquoi y'a pas la musique de Chase? Un ticket! Ah! Oh putain, il peut passer! Oh merde! Parti, c'est bon. Marc, tout va bien? Non, je me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Oh putain, et le dernier ticket là, je sais pas où il est. Ils m'ont planqué le ticket, je sais pas où. Ça se trouve, c'est le gosse qui l'a, le dernier ticket. Ah, il est là en plus, l'enfoiré. Tiens, va jouer avec ça. J'ai envoyé la pluie dans la tronche. Pas là. Je suis invulnérable dans ce casier. Il est en train de faire un caprice à côté. Je fais un caprice parce que je suis rentré dans le casier. Ah écoute. Comme ça. Bon. Tu as fini de me corper, mon pote ? Je demande pardon ! Mais quoi ? Ta gueule. Ah non!
Bah c'est reparti. On s'est fait par un bug. Quand même terrible ce jeu. Ah ouais, le bug m'a eu. Ah putain de merde. Et il faut récupérer tous les tickets. C'est reparti pour la tour, mes amis. Bim. Et maintenant, on commence à connaître le jeu, hein? Ah! J'en peux plus. J'ai dit, maintenant, on commence à connaître le jeu. Merde, arrête, Varg. D'avoir peur dès qu'il y a un truc qui apparaît. Putain, tu connais le jeu. ...30 minutes, il dure le jeu. Ah, mais ça, c'est... Je pense qu'en fait, un être humain normalement constitué le ferait en 30 minutes. Le ferait en 30 minutes. En 30 minutes, tu vois. Mais moi, je suis un peu spécial, du coup. Il me faut un peu plus de temps pour le faire. Ce bruit est en train de me rendre fou. Ça va mieux. Est-ce que t'as un ticket pour moi, s'il te plaît? Hein? Non? Je t'en veux pas, c'est pas grave. Je peux pas lui en vouloir. Je crois qu'il va finir un peu à l'aise sous le bureau après ce stream. Et y'a rien là! Arrête! Ils ont enlevé des tickets, c'est sûr! Ils en ont mis moins! Utilisez votre techno. Ouais, mais je sais, putain, tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure? Regarde ici non plus, y'a pas de tickets. Comment ils me trollent? Mais genre, il m'a repéré. Non mais... Les gars, protégez-moi s'il vous plaît! Je suis curieux de savoir c'est quoi le Nightmare Mode du coup. Bah à mon avis le Nightmare Mode tu pleures. Je crois que le mode cavalier est un poil abusé, même en New Game Plus 2. Je viens de 70%, 0 avarice. Putain. Allez. Go terminer ce jeu diabolique. Trop loin. Ah, ça c'est le chiotte qui m'appelle. Ah bah écoutez, il y a une voix qui sort du trou des toilettes. C'est bizarre, non? Mais j'ai trop peur d'y aller en vrai, je... Non. Je suis pas assez aventurier pour aller voir ce qu'il y a. Vraiment, je... Non. Je passe. Non, merci.
Putain, on est qu'à 6, c'est terrible. Il doit y en avoir un par ici, normalement, non? Non, ça a changé de place. Ah, ici, il y en a un, ouais. Nickel, on est à 8. Ouah, ils ont tout mis ici. Ouais, ça... Ah, non, comment ça, je suis qu'à 8? Entrez. Comment ça, je suis qu'à 8? Je pensais que j'étais un peu plus haut, moi, merde. Là-dedans, à mon avis, dans le truc fantôme, il doit y en avoir. Voilà ! Voilà, nickel. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je crois que j'ai été repéré. Passe à 9. On est à 9. Imagine le jeu enregistre un déplacement à chaque fois pour changer de ticket de place. Ça serait vraiment, vraiment bâtard, mais ça serait pas con. Ça rendrait vraiment fou, hein, par contre. Hein. Oh, le pétage de plomb. J'ai vu un truc sortir. J'ai vu un truc sortir du trou, là. Non, c'est dans ma tête. J'ai dû péter un câble. Je commence à voir des choses bizarres. The fuck? Ah! Putain! Mes amis, nous sommes à 10. Si c'est pas merveilleux. Dans 2 tickets, on peut se casser. 2 tickets. Est-ce qu'on va y arriver? Telle est la question. Zolduk-Kaer-Shird. Merci Zolduk. 2499. Putain. Merci Zolduk pour les 2499. Merci beaucoup. Ah non. Putain. JPP, JPP de ce jeu là. Allez. Oh putain. K-Tireba Tamichi Shield X2499. Oh Zolduk. Merci Kata, merci beaucoup. En vrai, tu sais quoi, je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me dis, il y a peut-être des tickets encore à l'intérieur. Le jeu il me troll tellement, tu sais. Imagine, il a mis des tickets ici. Normalement, il devrait pas y en avoir ici, en fait, des tickets. Ah, il y en a pas. C'est bien ce que je me disais. Bon, donne-moi les 2 derniers tickets, là, mon pote, s'il te plaît. J'ai été quelqu'un de raisonnable, non? Il vient de se passer une dinguerie, mais je sais pas quoi. Ah bah attends, arrête, cette partie-là, je l'ai pas fouillée. Ah si, je l'ai fouillée. Oh.
Je crois qu'on va trouver un ticket ici. Putain de merde! Et merde. Blablabla, blablabla. Allez, tu veux pas faire une réduction là, genre? Pour 10 tickets, je peux passer? Non? Putain, il est relou, hein. Faut savoir être un peu souple parfois, quand même. Ici non plus, y'a rien. Ici non plus. Oh là là, c'est la sauce, les amis. C'est un épouvantail, ça. Oui. Mais sans déconner! T'es suivi. Oh, c'est pas vrai. Je suis seul. Dans les tickets. Donnez-moi le dernier ticket, s'il vous plaît. J'en peux plus. Ouais, Matic. Ouais, je te jure. Salut, Siraf, ça va ou quoi? Comment tu vas? Bon, t'as les tickets. Allez. Allez, 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 on y est presque. Je sais même plus parler. On y est presque. Let's go. Oh là là. Va dans la piscine, Varg. Elle est où la piscine? T'es rentré dans la piscine? Non, elle est où? Devant le portail où tu dois donner 12 tickets. Comment vous savez qu'il y a une piscine? Vous devez voir un truc horrible à mon avis dedans. Ah ouais non, je suis pas rentré dedans non. Y'a rien. J'ai cru que c'était Bloody qui m'appelait pour troller. Y'a rien. Ça aurait pu. Merci quand même. Il manque un ticket. Un ticket. Juste un. Non, non, y'a pas de soucis, merci. Ah, merci les amis. Oh, le med kit ici. Qui me boit. Il est dur à trouver le dernier ticket, hein. La vache. Putain, l'enfer. Je suis pas allé là-dedans. Ouais, je peux pas y aller, je crois. Ah, c'est galère, hein. Ça a pas l'air facile de les trouver. Bah... Non, le dernier ticket, il est dur à trouver, ouais, j'avoue.
J'ai l'impression d'avoir fait le tour entier du parc, tu vois, et j'arrive pas à le trouver. Le dernier ticket me rend jobard. Et ma machine en plus pour capter les tickets. Putain, forcément il arrive sur moi. Ma machine pour capter les tickets, elle les capte de près en fait, donc c'est un peu la galère. Oh oui! Échanger les tickets d'or au guichet de sortie. Ah, j'y vais. J'y vais! Oui! Tu vas enfin pouvoir être libre! Ah, le marteau il est là. Je peux le prendre ou pas? Non, je peux pas le prendre. Tant pis. Ouais, on va faire attention au coin-coin. Elle est où la sortie? D'où il est en train de courir? Salut! J'ai les 12 tickets! J'ai le droit de passer? Merci! C'est bon? Ok! Ouais, c'était sympa, franchement, ça va. Deuxième map, go! Ouais, tu te fais choper à la fin. Nice, ouais, c'était drôle, franchement, c'était drôle. Comment ça, deuxième map? Y'a une deuxième map? Nightmare mort, inclus mourant dans ma zone, ticket, mort ennemi, and jumpscare. Mort ennemi, je vais sûrement me faire poursuivre par deux monstres à mon avis. Ouais, en vrai il est sympa le jeu. On va faire un test vite fait sur le mode Nightmare, voir un peu comment ça rend, mais... Ça va être la même chose, ça va être le même délire. Du coup en vrai c'était bien d'avoir fait déjà le mode normal. Non, c'est pas mal franchement. Ouais, c'est un peu court après, on est d'accord. Mais bah moi j'ai passé une heure dessus au final, tu vois. 69 minutes. Parce que j'ai un peu galéré. Après, tu vois, le jeu tel quel, s'il faut une deuxième map... Juste, tu fais une deuxième map, ça va pour 7€, je trouve. Une autre map en plus, tu vois, à la rigueur, avec des trucs un peu différents. Ça peut être drôle. Bah, moi, ça me va. Après, je pense que pour d'autres personnes, ça sera un peu léger. Je comprends aussi. Hein. Bah, c'est vrai que c'est le format que j'aime bien. Hein. Format court. Hein. Il y a eu pas mal de petits screamers et tout. L'ambiance du jeu, j'aime bien. Les screamers étaient bien placés. Non, ouais, sympa. Ah putain, l'ambiance par contre, elle est pas pareille. C'est plus sombre, j'ai l'impression, non? Ah ouais, on voit rien. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est plus sombre, non? En mode nightmare. Non, cela aurait été marrant, tu crois sortir et là, bim, une autre map. Ouais, j'avoue! Grave! What the fuck? Je l'avais pas vu lui la première fois. Ouais, juste l'histoire de voir en fait ce qui. C'est quoi l'autre ennemi qui va nous poursuivre? Ah, y'a ça. Allez, saute! Mon perso est fatigué, il veut plus sauter, tu sais. Il a la flemme! Allez, on se motive là! Sans déconner. Arrêtons les conneries. Nice, bonjour, j'ai récupéré 5 tickets d'or. Voilà! 12 tickets pour sortir. Ok, ça roule. Et donc là, non seulement on va avoir donc lui, mais en plus on va avoir un autre ennemi qui va nous poursuivre. Hein? What? Ah, et la map elle est faite différemment, regardez.
Oh putain de bordel de dieu. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il est pas sorti là de sa cage? Et le détecteur, pourquoi je l'ai pas? Trouver le détecteur de métaux. Ah mais j'ai pas pris le détecteur de métaux, je suis trop bête. Mais non mais quel boulet! Il faut que je prenne le détecteur de métaux en fait pour pouvoir récupérer les autres trucs. Ok. Les autres, le lapin, le singe, celui que tu as... Quoi? Allez c'est bon, ça démarre maintenant. Il va falloir se mettre au régime. Hein. Le jeu vient de nous le dire clairement. Elle est où la sortie? Attends! Attends, c'est quoi c'est? Ah, c'est bon, elle est là, ok. Non mais. Pfff, parfait. Donc il y a d'autres ennemis, vous m'avez dit. L'ambiance est encore mieux en Nightmare. Alors ouais, j'aime bien l'ambiance sombre comme ça, ouais. Enfoiré, ça a abusé. Ah! Non mais c'est trop dur. Arrête, non mais genre t'es poursuivi par tout le monde. Mais non mais l'enfer. Wouah! Imagine là, il se sépare, tu sais, pour m'attraper là. Comme si t'affrontais un chevalier. Ah, ça va, il bosse pas en équipe, c'est cool. Oh l'enfer! C'est une scène avec plusieurs monstres. Mais laisse tomber. Donc c'est lui qui est sorti de sa cage, hein. Ah lui il me fait plus peur, c'est bon. J'étais vacciné. Oh, je me suis chié dessus déjà plusieurs fois à cause de lui, c'est bon là, je suis vacciné maintenant. Ok, allez, on se fait un petit soin là, bim. Mais non. Ah, du bisclic. Voilà, nickel. Salut les gars, ouais j'ai plus peur de vous en vrai. Vous faites un peu partie de la famille maintenant. Oui, il y a peut-être un deuxième ticket là. On sait jamais. Les deux, tu sais. Ils sont vénères, hein. Ils sont déterminés à me péter la gueule. Oh là 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 là. Ah, salut. Ah, ils se sont séparés, ça craint. Ah ouais, non mais... Enfin, s'ils sont en pack, en vrai, ça va, tu vois. S'ils sont éparpillés, par contre, c'est la merde. Ah, l'ambiance du jeu elle est mieux en Nightmare. Hein. Ah, c'est hyper sombre, on voit rien, c'est cool. Il va sortir sa cage lui aussi? Arrête. Ouais, non, reste dans ta cage toi par contre, parce que tout à l'heure je rigolais quand je disais que t'étais mignon et qu'il fallait te libérer. C'était vraiment pour troller, hein. Je le pensais pas. Hein. Attendez, les amis. Je le
pensais pas. Désolé, fallait que j'éternue. J'ai préféré vous épargner ça. Ok. Alors, ça dit quoi, là? Trousse de soins par ici. Nice. Là. Oh, fuck. C'est qui crie? C'est moi ou c'est... On voit que le jeu, il comprend ce que je ressens, hein. J'en ai récupéré 7, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Bah, je suis content. J'en ai 7 déjà, c'est bien, non? L'ambiance, c'est vraiment sympa. Ouais, franchement, c'est cool. Bah, y'a rien. Cool. On n'est pas venu ici. On n'a pas fait ce spot là et on n'a pas fait les autotamponneuses non plus, je crois. Non, y a rien ici, y a pas de ticket. Pas de ticket là. Ça va, ils sont que deux au final. Ouais, ils sont deux. Je pensais qu'ils seraient trois, tu vois. Après, attends, moi je pense que celle avec ses couverts, à un moment donné, elle va se réveiller. Hein. Je pense pas qu'elle ait des couverts dans les mains pour rien, hein. À mon avis, elle serait pas à venir me becter, hein. Ah ouais, si elle a découvert, c'est pour venir me graille. C'est sûr. Ça serait dingue. Tu vois, ils auraient dû ouvrir des trucs comme ça, là. Un autre nightmare pour changer un peu. Oh fuck. Ah, j'ai merdé. Oh putain, me dis pas qu'il sort lui, s'il te plaît. Oh sa mère. Non. Tu vois vraiment un singe là? Moi, c'est un vieux que je vois. Ouah, je suis coincé. Oh, il m'a mis une pichenette. Deux pichenettes. Et je suis mort. Ah non, attends, c'est dégueulasse. C'est le kill du papy, c'est pas le kill du bébé. C'est terrible. Bon, en vrai, c'était sympa. Après, bon, c'est un peu répétitif. Mais non, sinon, le jeu est cool. J'ai bien aimé. Je me suis bien amusé. C'est quoi le nom du jeu déjà? Circus of Team Team. Ouais, bah c'était sympa. On a passé un petit moment cool. Bah c'est vrai que c'est un peu rapide, hein. Mais moi ça me va en vrai, 81 minutes pour passer un moment sympa sur le jeu. Presque une heure et demie en vrai, c'est cool. Moi je valide. J'espère juste qu'il y aura du nouveau contenu. Et si jamais il y a du nouveau contenu, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça on fera une autre petite session dessus. Ça pourrait être cool, avec les nouveautés.